Mercredi 18 octobre, le film Une année difficile réalisé par Eric Toledano et Olivier Nakache sort au cinéma. Dedans, Pio Marmaï donne la réplique à Noémie Merlant et Jonathan Cohen. Deux jours avant la sortie du film, l'acteur s'est donc rendu sur le plateau de Télématin pour en faire la promotion. Au cours de son entretien avec Marie Portolano et Thomas Otto, Pio Marmaï a été interrogé sur ce dont il ne pourrait pas se passer. L'homme de 39 ans a alors dévoilé qu'il s'agissait de sa famille, mais qu'il n'était pas objectif car il attend actuellement un événement assez important. Et si l'acteur ne semblait pas vouloir en dire plus, Marie Portolano n'a pas hésité à mettre les pieds dans le plat. Vous allez avoir un bébé, on peut le dire oui, a-t-elle déclaré. Visiblement gêné, le principal intéressé l'a alors repris, un événement assez important. De quoi jeter un froid sur le plateau avant que la journaliste ne décide de passer à un autre sujet. Pio Marmaï est déjà papa d'une petite fille avec sa compagne depuis quelques années, Pio Marmaï partage sa vie avec Charlotte Ranson. La jeune femme n'est pas une inconnue puisqu'elle travaille également dans un milieu artistique et est danseuse à l'Opéra de Paris. S'il reste plutôt discret sur sa vie privée, il a déjà fait quelques apparitions publiques avec sa compagne, comme lors des Césars. À la fin de l'année 2020, le couple a connu un grand changement avec l'arrivée de leur première fille, Pia. De quoi modifier le comportement de l'acteur du film Le premier jour du reste de ta vie. Je ne vis plus de la même manière. Je suis peut-être moins hystérique. J'ai mis bien l'idée d'aller vers des trucs plus en retrait, avait-il confié dans une interview au Parisien en décembre 2022. Désormais, Pio Marmaï et Charlotte Ranson se préparent à accueillir leur deuxième enfant en toute discrétion. I just